Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour. Je vous ai donc écouté et je vous apporte une première vidéo consacrée au jardin d'ornement et en particulier au cyprès de l'Élande. La haie, selon le contexte dans lequel on la trouve, va assurer plusieurs fonctions distinctes, comme par exemple délimiter physiquement les propriétés. La haie va également marquer le paysage par son aspect esthétique. Dans certains cas, la haie va assurer le gîte et le couvert à toute une communauté animale, et notamment un bon nombre d'auxiliaires. Elle peut permettre une meilleure absorption de l'eau par le sol et limiter ainsi les phénomènes d'inondation que l'on rencontre malheureusement de plus en plus souvent ces dernières années. Enfin, la haie peut également servir de brise-vent. Dans les milieux très urbanisés, la priorité est généralement de refermer très vite son espace privé et de le tenir à l'abri des regards derrière une haie. Au moment de réaliser leur haie, deux critères vont très souvent guider les gens vers le cyprès de l'Élande. Sa vitesse de croissance d'abord, puisque le cyprès de l'Élande peut prendre jusqu'à 80 cm par an dans un sol qui lui convient, ce qui est beaucoup plus que ses principaux concurrents, notamment le Thuya, Plicata atrovirens, il y en a d'autres encore, hein, et pas seulement chez les conifères. C'est lui le recordman vraiment de vitesse de croissance, hein, c'est le cyprès de l'Élande loin devant. Il y a également son prix, puisqu'on peut trouver du cyprès, je dirais, à peu près d'un mètre de hauteur, 80 cm, un mètre, qu'on va payer entre 3 et 4 euros, parfois moins, il y a parfois des opérations spéciales. Le cyprès de l'Élande est très facile à multiplier, et par sa croissance rapide, il est immobilisé très peu de temps en pépinière, ce qui l'amène à être proposé à un prix très faible. C'est quand même un critère important lorsqu'on en a beaucoup, beaucoup à planter. Notons également qu'il existe des cultivars dorés du cyprès de l'Élande, comme Gold Rider par exemple, ou le plus ancien Castelwelland Gold. Le cyprès de l'Élande présente donc un certain nombre d'avantages. Il est vert toute l'année puisque persistant, sa croissance très rapide et son coût peu élevé. Il est très facile à se procurer, on le trouve quasiment partout. Et à part la taille, on n'a pas grand chose à y faire hein, en termes d'entretien. Le feuillage uniformément vert peut être jugé monotone. L'intérêt écologique du cyprès de l'Élande est très très faible. On peut noter par exemple l'absence de fruits qui vont pouvoir nourrir les oiseaux en automne ou en hiver. Le cyprès de l'Élande nécessite deux tailles par an au minimum, 3 à 4 tailles si on souhaite obtenir une haie très stricte. Ça fait quand même beaucoup de boulot. Enfin, le cyprès de l'Élande s'enracine très très peu au regard de sa prise au vent. Le cyprès de l'Élande pousse très très vite sur sa partie aérienne, on vient de le dire, et en l'absence de taille, si on les laisse monter très haut, à plus de 10 mètres, eh bien on va avoir des arbres qui vont avoir une très grande prise au vent et un volume racinaire extrêmement faible, un enracinement extrêmement faible par rapport à d'autres arbres voisins, tels que le Thuya par exemple, qui va s'enraciner beaucoup plus profondément. Ce qui se passe en cas de tempête, c'est que ces cyprès de l'Élande ne vont pas casser, mais vont avoir tendance à se déraciner et à se pencher, généralement à 45 degrés. Il m'est arrivé de rencontrer des haies qui comportaient plusieurs dizaines de mètres linéaires, et bien de cyprès de l'Élande complètement couchés comme ça, et c'est des arbres qu'il va falloir ensuite gérer, hein, qu'il va falloir abattre, déraciner et remplacer. Si vous tenez absolument à utiliser du cyprès de l'Élande, sachez qu'il existe des cultivars modernes supposés vous prémunir des inconvénients précités. Il y a par exemple Cupressus cyparis lelandi 2001 et Cupressus cyparis lelandi Herculea qui sont bien présents sur le marché, même s'ils sont peut-être un peu moins faciles à trouver. Alors j'en viens à l'objet de la vidéo maintenant, à savoir pourquoi est-ce que je déconseille l'emploi du cyprès de l'Élande. Ces conifères, tout comme d'autres bien sûr, vont pouvoir faire l'objet d'un certain nombre de préoccupations phytosanitaires. On va pouvoir trouver parfois de l'araignée rouge, de la cochenille, mais également une maladie qui nous provient des États-Unis qu'on appelle le chancre cortical, qui s'attaque aux lélandis et à d'autres conifères. Le problème est le suivant, c'est que lorsqu'on constate des brunissements dans la haie, on se rend généralement dans le rayon phyto de la jardinerie la plus proche, avec un échantillon de préférence ou une photo, et on a affaire à quelqu'un qui va systématiquement, ou presque, diagnostiquer une attaque d'araignée rouge de manière à vous vendre le produit qui va bien. Le problème, c'est que dans la plupart des cas, on n'a pu observer objectivement aucune trace attestant de la présence de ces araignées rouges. Ces araignées rouges sont très faciles à observer à l'œil nu ou à l'aide d'une loupe. On peut également repérer les fines soies qu'elles vont laisser sur le feuillage.
En fait, ces acariens sont devenus la réponse générique à la plupart des problèmes rencontrés par les haies de conifères. Or, il apparaît que l'araignée rouge n'attaque pas si fréquemment que ça les haies, et pourtant, les haies de l'Élandie, la plupart du temps, après 20-30 ans de plantation, commencent effectivement à montrer de sérieux signes de dépérissement. Il s'agit dans la plupart des cas d'un simple dépérissement physiologique. Il se trouve que ce conifère, qui a une croissance extrêmement rapide, ne supporte pas, à long terme, les tailles répétées dont il fait parfois l'objet. Mon message est donc le suivant, si vous souhaitez obtenir des haies taillées strictes, privilégiez des végétaux à croissance lente, tels que le Taxus baccata par exemple. Le Leylandii n'est pas une plante de haie convenable dans tous les cas, soit vous la laissez se développer pour ne pas trop la tailler et limiter les problèmes de dépérissement, et dans ce cas la prise au vent sera très importante et de toute façon vous serez amené à le contrôler à un moment ou à un autre. Soit vous taillez strict de manière à contenir le Leyland dans des proportions acceptables et les tailles répétées vont occasionner les problèmes dont je viens de vous parler. Le Thuya applicata atrovirens, qui grandit certes un peu moins vite, pose beaucoup moins de problèmes dans son comportement en haie. Si vous tenez à implanter des haies monospécifiques, c'est-à-dire qui ne comportent qu'une seule espèce, vous pouvez alors vous orienter également vers d'autres végétaux tels que les lauriers, les éléagnus par exemple. Enfin, sous réserve que vous disposiez de la place nécessaire, il est également possible d'envisager une haie dite vive ou variée. Cette haie sera constituée de tout un assortiment de végétaux intéressants par les couleurs de leur feuillage et ou de leur floraison. C'est l'assurance d'obtenir une haie agréable et esthétique tout au long de l'année, avec des végétaux intégrés qui seront persistants, d'autres avec des décolorations automnales et des floraisons estivales et printanières. Je ne peux pas vous quitter, bien évidemment, sans vous proposer d'installer dans vos haies un certain nombre de végétaux qui seront intéressants pour les oiseaux. Je pense par exemple aux aubépines, je pense aux troènes d'Europe, je pense aux viornes. Ces végétaux, en plus d'abriter éventuellement les nidifications, proposeront des fruits qui seront très appréciés de ces oiseaux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt au potager qui dit non.